Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur la map Satoshi's Treasure. On est sur la cinquième et dernière map de cette aventure, je vous le rappelle, qui est divisée en cinq maps. Et donc, on est arrivé dans, on va dire, le laboratoire de Satoshi, je pense que c'est un truc dans le genre. Et on s'était arrêté sur cette énigme-ci, une énigme avec des couleurs. Et je vais vous réexpliquer vite fait ce qu'il faut faire, mais on va essayer de résoudre ça aujourd'hui. Alors le but, vous le voyez ici, c'est un exemple. Il va falloir en fait placer des croix. Donc si je clique, ça transforme soit en vert uni, soit avec une croix blanche. Et en fait le but, c'est d'arriver à placer deux croix blanches par zone de couleur, en sachant qu'une croix blanche ne peut pas être placé à côté d'une autre croix blanche. Vous voyez qu'à chaque fois il y a des espaces. Par exemple celle-ci, il peut pas y avoir de croix sur tout le tour ici. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a pas. Voilà, donc en gros on est parti sur cette énigme et donc du coup. Et bien comme je vous l'avais dit, j'ai un petit peu regardé pour essayer de ne pas partir non plus complètement au hasard. Et donc du coup, on avait regardé la dernière fois, on avait essayé de réfléchir vite fait. Et je m'étais aperçu que le marron là pouvait peut-être être une piste pour démarrer. Et en fait, eh bien il s'avère que oui, oui. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis dit au début, je me suis dit soit les croix elles sont là... Et là, soit là, et là, soit là, et là, ou soit ici et là. Voilà, pour qu'il y ait à chaque fois deux, au moins un d'espace entre les deux croix. Et donc, du coup, si je mettais une croix ici, bah tiens, on va le faire. Hop, je mets une croix ici. Ça voudrait dire que tout ce qui est autour, on ne peut pas mettre de croix, donc que ça va être des couleurs unies. Or, pour la zone violette, il y a besoin d'avoir deux croix. Et si on met une croix là, ça va bloquer ça, 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 ça et ça. Donc, du coup... On peut pas mettre ici, donc là, il n'y a pas de croix. Hop, on va laisser un point pour le moment. Si je mets une croix ici, eh ben, c'est la zone marron que ça bloque, en fait, puisque ben, on ne peut pas mettre de croix dans tout ce cercle-là, et du coup, eh bien, la zone marron n'aura pas eu ces deux croix. Donc déjà, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de croix ici, pas de croix ici, et donc du coup, ben, sur les trois là, pour qu'il y ait deux d'espace, les croix vont se retrouver forcément ici, et... ici, voilà, donc déjà on a nos deux croix pour la zone marron. Ensuite, chose qu'on peut faire vu qu'on a placé les croix, c'est déjà nettoyer la zone autour des croix. Donc tout ce qui est autour des croix, voilà, on va enlever les points gris vu qu'on est sûr que ce sera couleur unie, il n'y aura pas de croix dessus. Voilà, là on est tranquille. Alors du coup, on va pouvoir partir ensuite, c'est sur la zone orange, il me semble, j'avais commencé à regarder... et la zone orange, alors que je réfléchisse, c'était la zone orange, oui je crois que c'était la zone orange, ici il nous reste que 6 endroits en sachant qu'on peut pas en mettre deux à côté, donc par exemple là on peut pas, donc en gros il y en aura une à peu près dans ce coin là et une à peu près dans ce coin là, à peu près, donc du coup je me suis dit si on met une croix ici, on va le faire voilà pour l'exemple, ça voudrait dire que ça bloque ici et ici, dans le rose, et ça bloque ces trois-là dans le orange. Donc pour le orange, ça pose pas de problème, vu qu'on pourrait mettre une croix ici et ou ici. Et pour le rose, est-ce que ça pose un problème? Je ne crois pas non plus. Donc ça pourrait être possible. Ensuite, si on met une croix là, bah ça va pas poser de problème tant que ça non plus. Et à vrai dire, en fait, je pense que la croix orange... va être ici. Pourquoi? Tout simplement parce que là, cette croix-là, elle va bloquer les trois oranges qui sont à côté d'elle, ici. Et en fait, on peut mettre une deuxième croix ici, qui va bloquer bah, les mêmes, plus celui-là qui est un orange. Donc voilà, là on a déjà nos deux croix pour les oranges, qui en fait ne bloquent aucune autre couleur. Donc comme ça, on est tranquille, le orange, il est placé et il ne va pas nous gêner. Voilà, donc du coup, ensuite... on va pouvoir partir sur d'autres couleurs.
Bah écoutez, on va essayer le rose. Alors, déjà le rose, si on met une croix au milieu, ça va bloquer tout ce qu'il y a autour. Donc déjà au milieu, il n'y a pas de croix. Alors là, il va falloir réfléchir. Donc là, parmi ces... En fait, là, ça va être simple. Parmi ces deux-là, il y a une croix. Et parmi ces trois-là, il y a une croix. Parce que là, on peut pas mettre deux croix là ou deux croix là, parce que ce serait impossible. Et là, on peut pas mettre deux croix là. Donc du coup, soit il va y avoir une croix ici qui va bloquer ça et ça. Bon, celui-là n'est pas trop dérangeant. Est-ce que ce serait pénalisant pour le rouge? Pas forcément. Et si on met ici, par contre, là, ça va nous bloquer ça. Bon, là, dans le rouge, ok. Est-ce que ce serait pénalisant pour le violet? Non, on pourrait mettre là et là, donc ce serait pas non plus trop pénalisant. Donc là, je sais pas trop lequel entre les deux. En sachant que si on met une croix là, on peut pas mettre la croix là. Donc bon, soit c'est une des deux, soit c'est aucune des deux. Moi, j'ai bien envie de partir sur la croix ici, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, déjà, ici, c'est bloqué. Ici et ici, ça va gêner aucune autre couleur. Donc déjà, voilà, comme ça, on est tranquille. Et après, sur une des deux là, je sais pas trop. Parce que si je mets là, ça va bloquer ici et ici. Donc je pourrais mettre une croix rouge ici. Je pense que c'est ça. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure solution. Donc à savoir que là, on a mis cette croix là là. Donc ça va bloquer ce rouge là, ce rouge là, ce violet, ce violet. Ok. Et là, du coup, je peux mettre une croix rouge ici qui va bloquer ici, ici et ce rouge-là. Bon, voilà. Et au moins le rouge a déjà une première croix et ça bloque pas dans le cyan. Bon, de toute façon, là, donc moi j'avais prévu jusqu'à la zone marron et un petit peu orange, mais j'ai pas plus calculé que ça. Donc là, on part un peu en mode essai. On va voir ce que ça donne, mais bah, on va voir si on arrive déjà à s'en sortir. Alors. Ensuite, bah écoutez, on va rester sur les rouges. Ou peut-être, ah non, peut-être les violets du coup, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors violet, si on reste comme ça, bah on peut mettre des croix forcément ici et ici en fait, parce que sinon ils vont être trop collés. Si je mets là et là, ça va être trop collé. Donc les croix du violet, si je pars dans les croix que j'ai mis là, elles vont être comme ceci. Voilà. Donc du coup, on va enlever ici, ici. Donc là c'est déjà enlevé, là c'est déjà enlevé. On va enlever ici, ici, hop. Voilà, tout ça on enlève. Et je vérifie. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Parfait. Donc là, le rouge a déjà une croix. Il manque une deuxième croix au rouge. Moi j'en mettrais bien une là. Pourquoi? Parce que bah il y a déjà tout ça qui est déjà bloqué. Donc ça en bloquera que quelques-uns en plus par là. Voilà. Et du coup, je peux mettre une croix ici qui bloquera seulement lui en plus. Donc c'est pas gênant. C'est pas gênant. Du coup, le rouge a ses deux croix. Parfait. Et le cyan, il a une croix et on peut en mettre une deuxième là qui bloquera le cyan, mais on s'en fiche vu qu'il a déjà ses deux croix et qui bloquera un jaune ici, qui est pas trop gênant. Ensuite, le rouge, on a dit, il avait déjà ses deux croix, donc on laisse tomber. Voilà, le rouge. Et du coup, on peut mettre déjà une première croix jaune ici, qui va gêner seulement celui-ci. Et puis, bah, le reste, tout ça est déjà fait, ok. Et ensuite, deuxième croix du jaune. Bah écoutez, la simplicité, c'est de le mettre ici. Pourquoi? Parce que c'est en plein milieu de jaune. Comme ça, bah, le jaune ne gêne pas les autres couleurs. Voilà. Donc du coup, pour le jaune, on est bon également. Voilà, j'enlève tous les jaunes. C'est parfait. Ok, alors là, il reste quoi en couleurs qui n'ont pas leur croix? Il reste le bleu et il reste le vert et le rose. Bon, alors déjà le rose, on peut mettre quoi? Bon, de toute façon, que je le mette là ou là, c'est la même chose parce que de toute façon, ça va bloquer celui-là, celui-là ou celui-là et celui-là. On va le mettre là. Hop, voilà, il n'est pas juste à côté et ça bloque ces deux-là. Ok, donc là, il va falloir un deuxième jaune. En sachant que là, il va falloir une deuxième croix dans le rose, pardon. En sachant que là, il va falloir faire gaffe parce que le bleu, on en a déjà éliminé pas mal.
Donc, le bleu. Hop. Celui-là, ça fait un tour. Il peut pas y avoir de croix. Celui-là... Ok, donc là, on peut mettre une croix bleue en soi. Ça va annuler juste celui-ci, plus tout ça. Donc, c'est déjà annulé. Ok. Et... Bah, je pense qu'on peut mettre une deuxième croix bleue ici. Du coup, on a les deux croix bleues. Ça, c'est cool. Donc, du coup, on n'a pas à se soucier du bleu ici, du bleu ici. Parfait. Et du coup, il reste plus que le vert. Alors attendez, parce que j'ai l'impression d'avoir réussi l'énigme, mais hop, parce que si je mets une croix là, elle gêne personne, elle est à côté d'aucune autre croix. Et puis bah, je peux mettre une croix là, quoi. Là ou là même. alors là, attendez, je vais vérifier. Et puis bah là, pour le rose, on va mettre une croix ici, mais c'est pas gênant. Ça me semble bizarre en fait, parce que dans la démarche que je l'ai fait, il y a plusieurs possibilités. On va quand même vérifier. Hop, alors je mets tout à couleur unie, il devrait plus y avoir aucun poids. Non, il n'y a plus l'air d'avoir trop de poids. On va revérifier, pardon, couleur par couleur. Non, hop, j'avais oublié ces deux-là. Alors, le vert, il a une croix et il a deux croix. Cette croix-là gêne personne. Enfin, il n'y a pas d'autres croix dans son secteur. Et cette croix-là, il n'y a pas d'autres croix dans son secteur. Parfait, donc le vert, c'est bon. Le rose, pas d'autres croix dans son secteur. Pas d'autre croix dans son secteur. Le jaune, pas d'autre croix. Pas d'autre croix. Ok. Rouge, rouge. Pas d'autre croix. Pas d'autre croix. Cyan, pas d'autre croix. Pas d'autre croix. Jaune, on a déjà vérifié. Le violet, pas d'autre croix. Pas d'autre croix. Le marron, pas d'autre croix. Pas d'autre croix. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. Là, il n'y a pas d'autre croix non plus pour le rose, ni pour l'orange. Alors, ce qui me semble bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs solutions. C'est peut-être géré, mais bon, pourquoi pas. Bon, bah en tout cas, on a réussi au moins une solution, nous. Alors, j'espère qu'il considère plusieurs solutions bonnes. Sinon, si on n'a pas trouvé celle que lui voulait, on a l'air bête. Ok. Et on est censé avoir trois fragments. Et on a trois fragments. Donc bah écoutez, je sais pas si c'est les bons, mais en tout cas, on a réussi à avoir trois fragments. Alors, on a le DC, on a le KF et on a le LF. Ok, bon bah écoutez, c'est plutôt intéressant. Voilà, parfait. Et puis bah écoutez, si c'est les bons fragments, tant mieux. Si c'est pas les bons, bah on le saura jamais. Mais on va partir du principe qu'on a réussi, comme ça, on est un peu optimiste. Allez, donc du coup on continue de s'aventurer dans le labo de Satoshi. Et par là, open doors. Ouvrez les portes. Ok, on est toujours dans les petites montagnes. Ah, là c'est la grande maison. Bah, la grande maison, tout simplement, du village de Quarryvale, je pense. Hop, qu'on voit en fait de derrière. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, j'ai pas assez de render. Mais en tout cas, je pense que c'est cette maison-là. En fait, c'est cool de savoir que le truc, il est juste derrière, quoi. Et personne s'en est rendu compte. Ok, on avance. Je regarde vite fait sur les côtés s'il n'y a pas des trucs cachés, mais on sait jamais. Bon, je pense pas en même temps. Allez. Des longs couloirs. Oh, on arrive dans une salle. Ok. Oh, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, mais si, il y a Sarah qui vient d'arriver. Alors, je regarde juste. Ok, il y a l'air d'avoir des salles, je sais pas trop quoi. Alors, Sarah, qu'est-ce que t'as à dire? Nous avons... Enfin, en gros, on est à cette porte, ok. Ça ressemble à deux puzzles... comment dire? Des contrôles de puzzle pour regarder... le mécanisme pour regarder, un truc comme ça. Attendez, qu'est-ce qu'a fait? Qu'est-ce qu'a fait? Non! Je sais pas, je le sens pas. J'ai l'impression qu'on va se faire enfermer dedans. Alors, attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? On est enfermé, c'est parti. We are so close. Ouais, je sais pas si c'est enfermé, mais bon. On va prendre à droite et à gauche. Ok. Bon, elle va à droite, moi je vais à gauche. Ok. Soit. Ok, je m'en doutais que ça se refermerait sur nous. Ok. Ça ressemble à Doozy, je sais pas ce que c'est, à un puzzle. Bon, en gros, c'est ouais une interface de puzzle. Alors, je sais pas, elle est en train de cliquer dans tous les sens là. Hey, je pense que mon puzzle est cassé. Hey, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire des bêtises. Je crois que je l'ai.
Là, tu fais n'importe quoi, là. Je sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, c'est super bien fait, le fait qu'on croit qu'elle joue avec nous, c'est plutôt sympa. Alors, nous devons juste tourner tous les carrés au vert. Ok. Alors, toi, t'es sorti, mais moi, non, en fait, si tu veux. Donc, Sarah, m'abandonne pas! Quoi? Le puzzle ne s'est pas ouvert pour toi? Bah non, il s'est pas ouvert! Aide-moi, Sarah! Comment est-ce que on ouvre cette porte alors? Je sais pas. What? Elle est en train de le casser! What? Je ne peux pas le casser. Qu'est-ce que tu viens de faire? Sarah, je suis toujours dans cette salle, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est en train de miner? Ah, elle essaye de miner en fait. Je peux aller par là? Ah non. On est enfermé. Il n'y a pas de chemin par là. Mon puzzle ne s'est pas ouvert comme le tien. Comme le tien l'a fait. Et je suis toujours dans la salle maintenant. Tu dois ouvrir cette... Je dois ouvrir cette porte. Ouais. Mon père compte sur moi. Oui, c'est moi en plus. Dépêche-toi, là, va au truc de... What? En fait, le truc noir, c'est... J'allais dire de l'obsidienne... Enfin, c'est pas de l'obsidienne, mais c'est une matière ultra dure, donc c'est pour ça qu'elle peut pas la casser. Oh mon Dieu, je l'ai fait! Sarah, sors-moi d'ici! Il y a... Pas le temps. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? On a... Enfin, pas tout notre temps, mais oui, je crois que c'est ça. Je dois juste regarder quelque chose. Je dois... What? I have to make sure qu'il y a un trésor pour payer les soins de la chirurgie de mon père. Quoi? Et tu vas me laisser ici? On était supposés être des meilleurs amis, Sarah. Je ne te comprends pas du tout. Non, tu ne comprends pas du tout. Tu dois trouver un nouveau endroit pour vivre. Tu pourras acheter un nouveau cheval. Je ne peux pas m'acheter une nouvelle famille. Cinnamon, c'est ma famille. Tu es ma famille, Sarah. Tu peux pas. Je peux pas perdre ma famille non plus, ou je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait là? What? Ah! Génio, aide-moi, je vais tomber. Oh non, tu voulais m'abandonner il y a 2 minutes. Ok, il faut mettre tout au vert. Dépêche-toi, Génio. Ok, wow. Ok, alors attendez. Ok, what? Ah ok, en fait ça change les couleurs des trucs autour. Ah bah attends Sarah, attends, la meuf elle voulait m'abandonner et... Voilà, j'aime pas ça. Je clique un petit peu à l'arrache pour tout vous dire. Ok, tac. 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 Et c'est bon, là on a pas mal de verre. Non, Sarah a essayé de... Non! Oh non! Mais t'aurais pu t'accrocher au bord, non! Attendez, on l'a tué? Mais si j'avais été assez rapide, est-ce que... Ça se trouve, le puzzle, il est même pas finissable, en fait. Oh non, je suis dégoûté, parce que ça se trouve, si j'avais été plus rapide, j'aurais pu la sauver. Non! Marche arrière! Je vais faire le puzzle. What? Attendez, il n'y a pas moyen de faire le puzzle quand même. Regarde, c'est ouvert. Hop. Ah, il manque des blocs encore. Ah, mais j'ai pas récupéré les blocs noirs. Non, Sarah! Ah, je suis dégoûté. Non! Bon. Ah, je m'attendais pas à ce qu'elle meure, en fait. Déjà, je sais pas pourquoi le sol s'est effondré d'un seul coup. Mais ça, c'est surtout... Enfin, c'est, je pense, à cause de sa bombe. Elle a fait exploser par là, du coup c'est devenu un peu sensible, et puis bah voilà, ça a explosé. Bravo! Hop, tiens, je jette les débris parce que j'en ai rien à faire. Eh bah Sarah, on va tout faire pour sauver ton père. Allez, on va essayer de continuer de nous-mêmes. Ok, il y a l'air d'avoir quelque chose par ici. Et on va essayer de sauver son père de la maladie, enfin de récupérer le trésor de Satoshi pour soigner son père. Et récupérer Cinnamon, notre cheval. Ok. Insère tous les codes de fragments.
Mais j'en ai que 3 en fait. Je sais pas si c'est normal. Chargement de je sais pas quoi. Subroutine. Subroutine. Ok, complété. Commencement du programme, de l'exécution du programme. La clé privée de Satoshi est L, 1, 1, Z, 1. What? Il a bugué le truc, il met que des 1 et des Z. L, 1, 1, Z, 1, 1, 2, R, 1, 1, 1, 1, 2, 9, H, 1, 1, 1, encore 1, 1, Z, 1, 1, 1. T'as une blague là, y'a que des 1, des Z et des H. Encore un 1, encore un 1, 3, 1, 1, Z, 5, K, 1, 1, 1. C'est bientôt fini, hein. Je vois que ça avance derrière. Z, 1, 1, 3, 1, 1, 1, H, 1, 1, 5, 1, H, 1. Et voilà, c'était le dernier. Exécution complète. Ok. Nous allons déterminer si le participant est digne de l'héritier de Satoshi. Un ou plusieurs fragments sont incorrects. Non. Le participant doit réessayer et revenir. What? Ah non. Attendez, il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien du tout en plus. Attendez, il y a quoi par là aussi? Exit, chute, no return. Comment ça, il y a un fragment qui est pas bon? Ah mince, ça veut dire qu'on s'est trompé à un endroit. Mais est-ce que c'est normal que j'ai pas eu de fragment pour la première énigme? Je ne sais pas. Alors du coup, il nous a donné un grand code pour nous dire que c'est pas bon. Super. Ok, bon, bah, soit. On va aller voir ce qu'il y a là. Je le sens pas en fait. Je pense que ça va nous ramener au début. Oh, il y a de la musique. Coming soon, Starbucks. What? Il nous a ramené au début? What? Oh non! Sarah Ramsey, donc elle est morte. Et Peter Ramsey, donc ça devait être son grand-père. Non, son père, pardon. Oh non! Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à récupérer le. Non, j'avais une fleur, j'aurais pu la poser. On n'a pas réussi à récupérer le trésor de Satoshi. Merci d'avoir joué au trésor de Satoshi. What? Mais attendez. Attendez, bon, dévastation et revanche. Ok, bon, là, il y a les crédits. Hop, les crédits de musique, à vrai dire. Attendez, je suis un peu choqué, là, parce que on a fait 4 à 5 épisodes sur les maps, et la dernière map, il y a 2 épisodes, et en plus, on n'a pas le trésor. Et Sarah meurt. Mais c'est quoi, ce délire? Mais bon... Je pensais qu'on allait recommencer les énigmes pour avoir les bons fragments, en fait. What the fuck? Ouais, la fin, ok. On est revenu chez nous. Donc ça, c'est chez nous, ok. Kestrel. Pourquoi il n'y a pas de nom, là? Hop, prends-la. Je peux pas la prendre. Kestrel, ok. Ah, il y a une photo de Sarah. On a gardé une photo de Sarah.
Ouais, le prêtre inconnu. Ah non! Mais ça se termine vraiment comme ça? Parce que ça a quand même l'air d'être bien fait pour la fin. Ah non, ça ne peut pas sortir. On peut peut-être aller par là. C'est là où tout a commencé, où on a trouvé le trésor de Satoshi. Ah non, mais je suis dégoûté! Comment on sort? Ah oui, on peut casser. Hein. Ah non, on peut plus casser en plus! Ils nous ont changé de mode! Il y a un coffre là-bas, j'ai pas vu. Cher putréfié. J'attends peut-être que la musique soit terminée. Oh non, mais je suis choqué. Je suis littéralement choqué. On peut pas sortir en plus. Comment ça, on n'est pas digne du trésor de Satoshi? Mais non, mais j'y crois pas. Attendez, ils nous font faire des aventures sur 5 maps. Est-ce qu'il y a notre cheval? Oh non, il y a pas Cinnamon en plus. Il y a pas le cheval. Ah non. Comment on sort de la maison? J'ai envie de sortir de la maison. On peut rien casser. Ah, je suis dégoûté. Alors, on nous a fait... Enfin, pas poireauter, mais en gros, on nous fait faire des aventures pendant 5 maps. On a fait une... une vingtaine d'épisodes sur cette série de maps pour qu'à la fin, Sarah meurt. On trouve pas le trésor. On retrouve même pas notre cheval, on n'arrive pas à sauver le père de Sarah. Mais what the fuck? What the fuck? Bon, bah écoutez, alors je dirais pas que je suis déçu par la fin, parce que c'est quand même une super bonne map. Je reste un petit peu sur ma fin. Honnêtement, on nous fait faire l'aventure et tout, je pensais qu'on allait trouver le trésor de Satoshi. Et surtout, je pensais pas terminer l'épisode aujourd'hui, en fait. Waouh, je suis encore sous le choc. Mon dieu, mais Sarah est... Mais non, c'est parce qu'on n'a pas été assez rapide, je savais. Je suis sûr on peut la sauver. Ah, quoique, à mon avis, c'est programmé comme ça, je pense qu'on ne peut rien faire. Je suis quand même dégoûté qu'on n'ait pas été assez digne pour avoir l'héritage de Satoshi. Mais... écoutez, ça a quand même été une superbe map aventure, en tout cas un gros GG à celui qui l'a réalisé. Donc, je me rappelle plus le nom, mais ça doit être en description. Mais écoutez, ça a été plutôt sympa. Vous avez été dans les retours super content quand j'ai fait cette map, parce que c'est quand même une grosse map en fait. C'est assez rare maintenant. Alors certes, elle était divisée en petites maps, mais c'était vraiment sympa. Donc je vous le rappelle, cette map en fait à la base, on pouvait gagner je crois que c'était 20€ en Bitcoin ou un truc comme ça pour les premiers qui avaient en fait tous les bons fragments de toutes les maps. Donc c'est pour ça, c'est à ça que servent notamment les fragments, hein. Nous on les récupérait pour le fun, mais c'est à ça que servaient les fragments quand la map a été lancée. Donc voilà, bon, bah écoutez, je suis déçu. Honnêtement, je vais vous dire, je suis déçu que Sarah soit morte comme ça, qu'on n'ait pas le trésor de Satoshi. Ça me laisse un peu sur ma faim, hein. Honnêtement, je pensais vraiment avoir le trésor de Satoshi à la fin. C'est le but de la map. Et finalement, non. Bon, voilà, bah écoutez, je vais pas parler plus que ça. N'hésitez pas à me donner en retour en commentaire si vous avez fait cette map et si on peut avoir le trésor de Satoshi ou si c'est parce que j'ai pas réussi à sauver Sarah ou je ne sais pas trop. En tout cas, j'espère que ces vidéos sur toute la map aventure Satoshi's Treasure vous auront plu. Donc au total, il y a près d'une vingtaine de vidéos, voilà, séparées en 5 maps. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un gros like pour la fin de cette map aventure. Génial en fait, j'ai oublié d'en parler, mais il y a des dialogues, il y a des animations dans Minecraft, il y a notamment le personnage de Sarah qui à la fin devenait un peu plus intéressante. Quand je l'ai vu qu'elle pouvait jouer avec nous, je me suis dit tiens c'est vachement intéressant, et juste après elles l'ont fait mourir, je me suis dit oh non. Enfin voilà, un gros GG sur cette map, il y a eu du travail, c'est franchement une superbe map. Voilà, sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas le petit like, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres aventures, et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, salut tout le monde!